J'avoue que nous avons été accueillis en famille et il y avait plus de peur que de mal et voilà. Donc nous on s'attendait à des graves sanctions, mais par contre nous avons été bien accueillis et on a eu la chance aussi d'avoir assez de commissaires qui sont bien expérimentés, qui nous ont promulgué assez de conseils et voilà, qui nous ont permis aussi d'être mieux informé aussi de la situation. Quand est-ce que vous allez lever la sanction de Campbell, la suspension de Campbell? Bon, pour le moment d'abord, ce n'est pas la sanction qui est beaucoup plus en priorité, mais plutôt aller voir la famille et demander pardon. Donc nous sommes sur la famille des Klins. Et donc même ce soir, nous avons prévu d'aller en famille, se pousser, utiliser nos côtés mémères pour se pousser à terre, demander pardon à la maman. Parce qu'en fait, lui, il peut pardonner, mais c'est la vieille qui a été vexée en grosso modo. Donc c'est d'aller demander à la pauvre maman de pardonner. Et derrière aussi, n'oubliez pas qu'il y a des millions de téléspectateurs aussi qui nous suivent, qui ont été choqués aussi. C'est ce qu'il a eu aussi. Ils ont besoin aussi de cette excuse aussi. Ok, il y a déjà certains médias qui ont posté, quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Vous n'avez pas peur que quelqu'un déploche Campbell? Non, en fait, Campbell c'est un produit de West Africa TV. Campbell a été fabriqué par West Africa TV, donc là, de ce côté-là, nous ne nous inquiétons pas. C'est comme quand tu as un enfant, tu peux le frapper, le chasser de la maison, mais cela ne veut pas dire qu'il va aller se réfugier dans une autre famille, là-bas, rester éternellement. Il finira toujours par revenir en famille. Mais donc, quand on a un enfant, il faut lui montrer à un moment que oui, quel qu'en soit le truc que tu feras, tu peux être tapé aussi. Il ne faut pas qu'il se sente aussi indispensable.